vous approchez, vous allez voir différents aspects du café. Un expresso après le repas. Qui d'autre encore aime bien le café? Oui, vas-y. Moi, je le bois au petit-déj. D'accord. Et comment tu le bois? Noir. Noir. Toi, pareil, filtre. Capsule ou pas capsule? Est-ce que vous avez une idée du parfum qui se dégage? Non? Non. Ça sent pas le café, ce qu'on sent dans le café, c'est une fois qu'il est torréfié. Une idée? Ça sent fort? Tout ce que c'est qu'un barista? Non. Le barista, c'est celui qui vous prépare le café. Un contexte très haut de gamme, c'est-à-dire que les candidats présentent un programme à partir de café qu'ils ont choisi. C'est un peu comme un programme de patinage artistique, vous avez 15 minutes pour présenter librement le programme qui vous plaît. Donc ça c'est très intéressant dans la mesure où eh bien, ce sont des gens qui ont été formés spécifiquement pour participer à cette compétition. Les champions de France vont au championnat du monde, voilà. Et là, votre vie peut changer en réalité. J'ai dû entendre parler des Arabica, des Robusta. Ce sont en fait les deux grandes espèces principales. Et de ces espèces, après, il y a des variétés. Donc, l'Arabica, ce sont des cafés donc les plus gustatifs, les plus fins, les plus recherchés, qui poussent en altitude. Ce qu'il faut pour faire un bon café, c'est déjà un bon terroir, comme le vin, comme bien sûr tout ce qui est végétal. Mais décortiquer, c'est juste un petit peu le vocabulaire. Et ça va vous donner un café plus sauvage, un peu boisé, fermenté, mais quelque chose de très agréable. Mais c'est totalement différent de la méthode lavée. Ce que l'on appelle des cafés de spécialité, il faut que ça passe un certain nombre de points, donc 80 points. C'est qu'il faut un certain temps pour que les arômes se développent, s'imbriquent et évoluent. Ce qui ne peut pas avoir lieu lors d'une torréfaction industrielle. Ensuite, donc il va falloir laisser reposer un petit peu le café, c'est-à-dire qu'un café qui vient juste d'être torréfié, il va être très acide si on veut le boire tout de suite. Il faut laisser un petit peu le gaz carbonique s'évacuer. Le café serré sans sucre. Noir de... Ah, noir de chez noir, oui. Comme bien serré sans sucre, très fort, très chaud. C'est vraiment cette façon professionnelle de déguster le café. Au début, ça peut paraître surprenant, mais on utilise donc des tasses comme celle-ci, qui ressemblent à des petits bols, et des cuillères, voilà, des cuillères à pupilles. Pourquoi on met plusieurs tasses? Parce qu'il suffit qu'il y ait un grain qui soit abîmé. On va se faire une opinion. Alors déjà, oui, ça veut dire que dans ce café, il y avait déjà un grain qui était abîmé. Mais on est souvent deux, on peut aller même parfois jusqu'à 5 tasses du même café pour être sûr que l'on retrouve à peu près les mêmes choses dans toutes les tasses. On va approcher à la nuit. D'accord.
Pour savoir que un café est très bon, très bien torréfié, vous pouvez pâter le café. Regardez que les mêmes couleurs dedans, c'est les mêmes couleurs qu'à l'extérieur. On va approcher à la bouche et on va rappeler les moments quand nous sommes petits. D'accord? Celui-là, c'est parce qu'il nous reçoit qu'il fait un effet de spray dans la bouche. Pour sentir dans la rétrofaction tous les savoirs du café. Pour le faire, nous devons mettre les cuillères dedans. Et le deuxième, c'est plus comme un fruit mûr. Ouais. Un fruit rouge. Le deuxième. Oui, c'est plus fort. Extraordinaire. Brilliant. Brilliant.